parmi nous. Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Allons proclamer, alléluia, la bonne nouvelle à toutes les nations. Alléluia, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Il est parmi nous, alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, mes frères et mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, renouvelé et guéri par ta Pâque, nous sommes affranchis de la ressemblance avec nos premiers parents issus de la terre. Transforme-nous à l'image du Créateur qui est aux cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Lorsque les chefs des prêtres et les anciens eurent relâché Pierre et Jean, ceux-ci rejoignirent les frères et rapportèrent tout ce qu'on leur avait dit. Après ce récit, tous, d'un seul cœur, adressèrent à Dieu cette prière. Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qu'ils contiennent. C'est toi qui, par l'Esprit Saint, as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur,
les paroles que voici. Pourquoi ces nations en tumulte, ces peuples au projet stupide, ces rois de la terre qui se groupent, ces grands qui conspirent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Et c'est vrai, on a conspiré dans cette ville contre Jésus, ton saint, ton serviteur, que tu as consacré comme Messie. Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et le peuple d'Israël, ont accompli tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ton message. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent d'annoncer ta parole avec une parfaite assurance. Étends donc ta main pour guérir les malades. Accomplis des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Comme leur prière se terminait, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions dans le psaume 2 et nous répéterons heureux qui trouve en Dieu son refuge. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples, les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie, faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves ensemble. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision, puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Tu m'as dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Me tourne debout pour acclamer l'Évangile. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. Là se trouve le Christ à la droite du Père. Alléluia. Ta parole, Seigneur Jésus, est joyeuse et nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons bien. C'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu as accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond,
Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème lui répliqua, « Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois ?» Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de renaître de l'eau et de l'esprit ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ou il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle et de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Renaître de l'Esprit Saint, renaître de l'eau. Noé, dans le premier morceau de la Bible, là, côté que l'Esprit Saint est à l'œuvre, comme dans l'Évangile, il est question de l'Esprit Saint. Après la résurrection, l'ascension, c'est le temps de l'Esprit Saint. L'Esprit est à l'œuvre dans l'Église. L'Esprit Saint prend possession à nouveau de la communauté en prière, de la première communauté chrétienne, tout comme jusqu'à aujourd'hui, l'Esprit Saint est à l'œuvre. C'est l'Esprit qui mène l'Église. L'Esprit Saint a agi. Après, je t'ai fait arrêter disciples. Peut-être que tu as parlé de bonne nouvelle là. Peut-être que tu as proclamé bonne nouvelle là. Et puis, je suis content. De nouveau, que tout frère est réuni ensemble, que tout disciple est réuni ensemble, il est capable de la prier. Et il dit, nous, après qu'il finit la prière, côté, il est après à trembler. Et c'est une parole qui est vraiment importante dans la fin de mes lectures, pour dire que tous, remplis de l'Esprit Saint, annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, travail chrétien, c'est que ça lié, c'est annoncer bonne nouvelle là, c'est annoncer parole bon Dieu avec assurance, avec fermeté. Ça veut dire quoi dans ce qu'on a annoncé? Il y a des gens qui ont annoncé la parole de bon Dieu. Moi, je dis finalement qui ça l'a annoncé, mais qui ça l'a vive. L'a dit un bagaille, l'a proclamé un bagaille, mais l'a fait un autre bagaille. Ou bien l'a proclamé un bagaille, mais ça l'a proclamé. Il n'est pas dans lui, il n'est pas vivre lui. Donc, il n'est pas proclamé avec assurance. Mais par contre, je dis nous dans le premier mot sur la Bible là, que premier chrétien, que apôtre, il a proclamé la bonne nouvelle avec assurance. Ça veut dire que dans ça, il a proclamé, dans ça, il a pas annoncé. Il a cru effectivement que Jésus a annoncé, c'est un Jésus qui mourit, mais qui levé bien vivant, qui ressuscité. Donc, on va comprendre pourquoi ça, l'apôtre Paul va le dire, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, vide est notre espérance. Parce que ça, il a pas annoncé, mystère qu'il a annoncé. La joie que a annoncé, il n'y a pas l'autre que Jésus qui mourit, mais qui levé bien vivant. Mais pour disciples, tu es capable d'annoncer Jésus qui levé bien vivant. Pour disciples, tu es capable d'annoncer parole bon Dieu avec assurance, avec foi. Il faudrait-il bien que parole bon Dieu te prenne cher dans la vie. Yo. C'est ça qui fait que tu es capable de guérir les gens qui sont malades. Que tu es capable d'accomplir des signes et des prodiges par le nom de Jésus. Parce que tu es croit dans ça, annoncé. Finalement, frère Mson, nous comprenons par là que nous-mêmes, tous frère Mson qui viennent l'église, qui écoutent les paroles de bon Dieu, grand pile bagaille que nous sommes capables de faire, grand pile merveille que nous sommes capables de réaliser, si nous croyons dans ça, nous avons annoncé. Nous avons dit montagne pour le déplacer, pour le planter dans le mitre, la fête. Nous avons couru des problèmes, nous problèmes pour aller. Nous avons campé pour nous prier avec un monde qui est malade, la préfet. Nous avons prié avec un monde qui est mauvais esprit pour aller. Nous avons couru parce que la puissance que nous avons dans nous, l'effort, la puissance que nous portons dans nous. Et pas l'autre que la puissance de Dieu. Si nous croyons dans mon Dieu, il y a un peu de bagaille que nous avons fait. Mais il faut que nous laissions nous habiter par l'Esprit Saint.
conduire par l'Esprit de Dieu. Tout comme Jésus t'a invité Nicodème à une nouvelle naissance pour connaître de l'eau et de l'Esprit, les nouvelles l'eau, nouvelles l'Esprit, nouvelles baptême, baptisé et on va sauver. Donc nous-mêmes qui la frère sommes, nous-mêmes qui vivons l'Église, nous tous qui là nous baptisés, nous tous nous sommes chrétiens. Mais, en pile fois, nous pas utiliser baptême, non, puissance ça que nous recevons dans le baptême, nous abonnés. N'oubliez ce que nous gagnons puissance que nous portons dans nous. N'oubliez qu'avec baptême, non, nous renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Donc nous gagnons force, bon Dieu, qui habite dans nous. Une fois que nous oubliez, nous ne sommes pas capables de bien utiliser les. Il y a un monde qui a pour renaître, ou bien pour naître pendant deux fois. Ou fait, ou prend naissance dans le sein, maman, ou sorti dans votre maman. Oui. C'est cette naissance biologique. Ou prend chair de maman, ou sorti dans la maman. Oui. Mais tout, il y a une nouvelle naissance, il y a une renaissance. Les ça, ce n'est pas une naissance biologique, mais son naissance spirituelle. Avec baptême, ou prend naissance, ou naît de l'eau et de l'Esprit Saint. Mais avec l'Esprit Saint qui est dans le monde, on veut une force, ou capable d'agir, ou doit agir. Et force ça fait que, on pas capable de peur en rien. Parce que force qui habite là, c'est la force de l'Esprit Saint. C'est la force de Dieu, du Christ mort et ressuscité. Je demande bon Dieu la grâce, frère, pendant toute célébration, ça, toute Eucharistie, ça. Non seulement pour nous faire bon usage de l'Esprit Saint qui est dans nous, mais tout pour nous capables, avec l'Esprit Saint qui est dans nous, proclamer bonne nouvelle là. Même gens avec disciples, avec première communauté chrétienne, ça, proclamer bonne nouvelle avec assurance. Proclamer avec assurance veut dire que proclamer dans la foi, proclamer dans le cœur content. Proclamer avec assurance veut dire que ça m'a proclamé, moi vivre, je me quitter le tourner en réalité. Dans la vie m'avant. Donc, bonne nouvelle que m'a proclamé, parole bon Dieu que m'a proclamé, c'est pas une parole bon Dieu pour l'autre, mais son parole bon Dieu d'abord pour moi-même et puis pour l'autre. C'est m'a dit l'autre là, pas fait ci, pas fait ça, moi-même en premier, faut pas faire. C'est m'a dit l'autre là, bon Dieu remèle, faut me connaître dans moi-même tout, que bon Dieu remèle d'abord. C'est m'a dit l'autre là, fais bon Dieu confiance, faut moi-même en premier, me fais bon Dieu confiance. C'est ma petite l'autre là, faut que je vienne l'église, faut que moi-même en premier, je vienne l'église. C'est ma petite l'autre là, pas parler fort la mal, pas parler sur la mal, faut que moi-même en premier, je ne parler l'autre la mal. C'est ma petite l'autre là, pas faire tripotaille, pas faire mentir, faut que moi-même en premier, je ne faire tripotaille, je pas faire mentir. Donc, faut me proclamer parole là avec assurance pendant que je vive parole là. C'est ça, proclamer avec assurance. Donc, on demande bon Dieu la grâce pour que parole soit capable de tourner réalité dans la vie, non, et proclamer avec assurance chaque jour dans la vie, non. Amen. Thank you.
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle en origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur tes enfants qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Aliette La Fortune, Junan Christopher, Elsie Chérie, membre groupe les servantes et servants de la Vierge Altagrâce, Naomi Duverso, Elsa Azi, Joyce Dovilus, Adrien Laforêt, Naomi Duverso, Nerland Lafont, membre du groupe Les Bien-aimés de Marie, Grimili Megan Faustin, Samora Rodi Philogène, Margaret Lévesque, Jean-Claude Pierre, Kirby Jean-Gilles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance à l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions ensemble le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à Notre-Dame d'Altagrâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Joyeux anniversaire à Aliette Lafortune, Junan, Elsie, Naomi, Elsa, Dovilus, Adrien, Néerland, Rimli, Samora, Margaret, Jean-Claude et Kerbi. C'est bien un nom là qui a célébré que M. Tenoyo nous capable d'avancer pendant que nous avons chanté vos noms pour nous dire bonne fête. Recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci mon Père. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.